Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Enlisted, jeu de bataille à la Seconde Guerre mondiale, même si on a quelques armes qui datent de la Première Guerre mondiale, voire un peu avant. On commence avec ma nouvelle escouade de sapeurs, je crois que ça s'appelle, ceux qui construisent des choses. Et on commence dans une carte où on est en défense contre des Russes. En même temps, je suis loin et en même temps, je suis quand même assez proche. Sauf qu'il y a un allié qui est en train de construire un pont encore plus proche. Là, on est très exposé. Faut avoir par d'autres objets, c'est tout? Non, près d'un point de capture, c'est ça qui pose souci. Alors, le spot idéal pour moi, c'est loin des lignes ennemies, entre les deux points. Là, c'est plutôt pas mal. On est exposé de vue du ciel. Mais on a de la maison qui va nous protéger. C'est des barrières incassables. Et si je rajoute un petit truc comme ça, il devient difficile de tirer sur le point. Je suis très satisfait de ma protection. Et en plus, ça le potagera peut-être des bombes qui tombent loin. Ou des roquettes. Bref, tous ces trucs qui font boum 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 des avions. Et qui tue tout le monde. Les ennemis sont censés arriver de par là. Ah, il a tiré plus vite que moi. Aïe. Heureusement qu'il était là. Oh! Avec le fond sombre, je ne l'ai même pas vu. Bon, on a deux points de ralliement relativement bien passés. Il est où le point B? Il est là? Il y a tellement de fumée que je le vois pas? Oui, c'est ça. Ah mais pourquoi je tirais lentement moi? J'étais persuadé d'avoir l'arme semi-automatique, mais pas du tout, j'ai la mitrailleuse, j'aurais dû tirer à fond et puis voilà. Alors. Plutôt bien. Ah. Ah, les deux à la fois. Recharge, crotte, j'aurais dû continuer à tirer. Ah! Bon, avec lui, je peux attaquer quand même, mais ça va être dur. Sauf si.
Ah. C'est perdu le point B? Non, c'est pas perdu encore. Ça va être chaud. J'aurais. Ça, c'est vraiment un move de. J'ai pas de mots pour décrire ce genre d'individu. Ceux qui viennent poser une mine personnelle sur un point de ralliement. Comme ça, ils tuent une escouade d'un seul coup. Ah, c'est très. C'est très intéressant au niveau point. C'est pas du tout fair play à mon avis, mais. Comment ça se fait qu'il y ait du monde depuis par là? Faut que je fasse des kills au corps à corps. Donc quand je peux. J'ai pas le temps de tirer là? Là j'ai eu le temps de tirer. On s'est cross kill. Alors. Pour l'instant ça tient. On a repris B. Mais sans point de ralliement à proximité, ça peut devenir compliqué. On va cacher notre point de ralliement dans la maison. C'était pas un si mauvais spot que ça. Mes soldats. J'en ai qu'un qui est mort. Oh, ça va. Hop. Ça devrait nous aider. Ah, j'aurais posé mes boîtes de soins quand je joue avec l'équipe qui a le médecin. Alors, on va venir se positionner là. Mon médecin. Aïe. Il va jeter sa caisse. Ah mince, j'ai plus les soldats que je voulais, mais bon. Pardon, merci. Mince, un allié. Je trouve marrant les soldats avec leurs robes. J'imagine que c'est un manteau très long, mais ça leur fait vraiment une robe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un allié. B, ça a l'air d'aller. Désolé, je t'ai fait peur pour rien. Ah, on entend un point de ralliement. Nickel. J'aurais pas pu rêver de faire mieux là. Alors, malheureusement, on est en train de perdre le point. Mince. Bon, on va attendre le char du coup. On n'est pas trop trop mal niveau soldat restant. Alors, il avance, il avance tout doucement.
avoir du monde là. On va se cacher derrière là. Ah, c'est réglé. Bon, en pratique, il n'y avait plus de tankistes, mais bon. Dans le doute. Bon, je suis probablement très très loin hors zone. C'est le bon moment pour faire une série de kills et mourir. J'ai plus de balles. Bon, je peux aussi tenter de me rapprocher, on verra ce que ça donne. J'aime bien cette méthode de charge, ça permet d'aller un peu plus vite qu'un soldat qui court. Et ça fait que je tape tout seul. C'est un type ça, ouais, on est d'accord. J'ai déjà dépensé ma bombe malheureusement. Et j'ai un molotov. Ça va pas m'aider. Mince, je suis très loin, dit-il. Aïe. Ah ouais, je l'ai pingé, mais il est super loin. Ouais, j'ai l'impression. Ah, j'ai pas pingé au bon endroit du tout. On va retirer mon ping. Bien vu. T'as pas l'air de voir qu'il y a un type ici. Il est déjà détruit. Ça a été super vite. Y'a papa. Très bien. On va poser la mine antipersonnelle. Ça pourrait espérer que ça marche. Ah, je pensais que je l'avais tué lui là. Il y en a un qui est passé par là. Oh là là, c'était 3. C'est mon point ça là-bas? Je crois pas. J'ai un doute. On va dire que non et on va replacer un là. Ah, mon point de ralliement a été détruit. C'était mon point peut-être. T'es très très avancé dans la ligne ennemie. Il est où exactement? Ici.
Ouais, dommage, tu m'as tué après que j'ai tué ton point de ralliement. Ah, bien joué. J'imagine que c'était une protection pour le point de ralliement. Ah non, c'était pas mon point là-bas. Je peux encore théoriquement spawn derrière le char. Pas l'air de vouloir. Ah, il est détruit. Non, il bouge encore. Peut-être y avoir combat en cours en permanence, mais. Papa. Bon, allez. On a eu marre d'attendre. J'aurais pu l'avoir au corps à corps, lui. Alors. Wink. Wink. Ah bah voilà, j'ai tous perdu sauf lui. Comme ça c'est réglé. Mince, j'aurais dû lui tirer dessus. Moi qui voulais faire un kill au corps à corps. C'est râpé. Pim, 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 pim. En attendant ça tient le point. On va laisser mes soldats dedans. Qui rentre. Bonjour. Mince, je pensais qu'il allait avancer. Il a pas avancé du tout. Et il détruit le véhicule ou pas? Apparemment pas. Vite. Ah! Ils sont descendus à une vitesse incroyable. Ils ont fait le tour de la maison avant que j'aie le temps de m'en apercevoir. Maintenant ils ont détruit mon point de ralliement. J'ai de quoi le replacer. Ça m'a pas l'air détruit pour l'instant. Et ils ont pu spawn alors que j'étais, mais. Malheureusement, je peux pas activer l'ancienne bombe. Même en tirer dessus, ça marche pas. J'ai essayé. On va se servir du débris. Ça brûle, mais en pratique, ça n'enflamme pas les gens. Il y a un bipied sur ça. Ah, c'est un fusil lance-grenade. Et ça tire des grenades? Pas l'impression. Alors, il y a ceux-là qui se battent.
Ah. Mince, c'est mon soldat qui a une mine antipersonnelle. Lui, il a déjà utilisé, il m'en reste plus qu'un du coup. Alors ça, c'est pas de chance. On va dire qu'on est à l'abri. Les trous, c'est vraiment les nuits des chars. Ce qui est paradoxal dans la mesure où c'est les chars qui font les trous. Bon, je peux tenter, hein. Il y a peu de chances que ça fasse de l'effet, mais... Si, j'ai peut-être pété une chenille. Elle a explosé ma grenade là? Wow. C'est pas moi. Il reste plus que 28 soldats. Ça va le faire. Ah, c'est un méchant ça. Ça me paraissait tellement improbable que j'ai pas fait gaffe. Ouais non, c'est fort le Gewehr. On va dire jusqu'à 50 mètres. Après, ça devient moins fort que les autres armes. Mais toujours assez raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé là exactement? Si, si, c'est bon, c'est mon Gewehr. J'avais oublié qu'il y avait une baïonnette et je pensais que j'étais vers l'autre, passé à l'autre arme. C'est un char actif ça? Plus un char actif en tout cas maintenant. Je viens de dire qu'on avait gagné, il n'y a plus de battlefield. Et on a eu 10 000, pas mal, pas mal. Il y a des gens qui ont fait encore mieux. Première place dans l'équipe. Meilleure escouade d'infanterie, soldat à tout faire, meilleur constructeur. Je crois qu'il en faut au moins 3 pour arriver dans ces classements-là. Ah non, lui, il a fait guerrier polyvalent et c'est tout. Ok. Bon, il y a peut-être un nombre maximum, je crois que ça doit être 5, nombre de personnes récompensées au maximum. Donc il y a, si il y a 5 personnes qui ont fait mieux que moi, je suis pas récompensé. Ou c'est peut-être en fonction, c'est peut-être général pour la bataille. Il y en a 6 et ils dépendent des équipes. On n'a pas monté de niveau avec les squads qui m'intéressent, celle-ci. En revanche, on a fini la recherche. Et ça, c'est plutôt sympa. Surtout pour les squads de fusillés. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a à débloquer ici? Tireur d'élite 3. Opérateur radio 2. Bon, les opérateurs radio, c'est loin d'être mes favoris. Assaut 4. Mais de toute façon, c'est l'autre ligne, celle qui est plus bas. Je vais plutôt aller vers tireur d'élite 2. En passant par Caracano, blablabla. Bla bla. Alors, Chuck, on avance. Et ensuite, j'aimerais vérifier. C'est plutôt acheter des soldats. Ouais, c'est ça. Fusil niveau 3, c'est le mieux que je puisse faire. On va équiper l'équipe niveau 3. On va passer en full. Full escouade de. Enfin, que j'entraîne. Qu'est-ce qu'ils ont comme arme pour que ça... Car avec GGP, fusil équipé d'un lance-grenade anti-char. Pouf.
Sur un fusillé. Ok. Pourquoi pas. Donc, je suppose que ce sont eux les fusillés niveau 3. Tout à fait. Ils vont prendre la place des mitrailleurs. Ça va m'embêter un peu, j'ai plus aucun mitrailleur du coup. On va désarmer la réserve comme ça. Est-ce que je lui laisse ce truc là? Non, j'aime pas trop ce genre de truc. Alors par contre, il y avait aussi. Bon, je vais faire ça en off et on se retrouve bientôt pour une prochaine bataille.